ok, c'est bon, je me suis. J'ai réussi. Oh, vas-y, vas-y, ouvre ça, ouvre ça, ouvre ça. Vas-y, j'ai la fleur. Attendez, je vais. Vas-y, dépêche, 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 on est timé. Dépêche, y'a chien, on est timé. Retourne-toi, retourne-toi. Vas-y. Non, vas-y, il abuse. Vas-y, Doag, vas-y, vas-y, frère. Doag, on est timé. Vous êtes dur avec moi. Mais bon sang, Rodrigue, c'est quoi cet accoutrement ridicule? Quoi? C'était marqué soirée déguisée dans le mail. Je suis en Nikos Aliagas, et j'ai même mis des dents qui brillent comme lui. À la fin du message, j'ai précisé que le thème était le jeu mobile Dislite. On est tous fans au bureau. Désolé, je ne lis que les titres de mes mails, c'est plus rapide. En plus, tu n'as pas d'excuse, le jeu est dispo depuis quelques jours gratuitement, les gens risquent de te juger. Retenez-moi bon sang, j'ai envie de le juger. Tu aurais trouvé un déguisement facilement avec le style pop fantasy de Dislite, ça se passe dans un futur proche avec des dieux des mythologies grecques, chinoises, nordiques et égyptiennes, je sais. Je suis fan de RPG et de ce jeu, et j'ai fait partie des 100 000 premiers téléchargements. Tu te souviens quand je t'ai dit que je partais faire du team building une semaine à Vesoul? En fait, j'étais caché, roulé en boule dans le placard des archives pour jouer à Dislite. C'était donc ça l'odeur de Gorgonzola à côté des photocopieuses. Oui, et maintenant j'ai une escouade de 5 héros avec des pouvoirs divins boostés au max, et une scoliose incurable. Je demande à voir ça. Eh bien si tu regardes la courbure de mon dos. Je parlais de ton escouade, j'aimerais qu'on combatte des boss ensemble. Ce qui est cool sur Dislite, c'est qu'on peut jouer avec ses potes pour les aider à progresser. Faisons ça, je vais me brancher sur les enceintes, on pourra s'ambiancer sur les musiques du jeu et faire danser tout le monde. Ma préférée c'est celle-là. Moi aussi j'adore, et j'ai eu plein d'autres bonus dans le jeu en utilisant le code JOINDISLITE, après avoir cliqué sur le lien en description. Si tu veux que je te les montre, va te déguiser, sinon tu vas t'attirer les foudres de Jocelyne de la Conta. Tu dis ça parce qu'elle est déguisée en Zeus? Quel beau trait d'humour. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. D'accord, je reviens. Et voilà, je suis déguisé en dieu de l'amour. Non Rodrigue, tu es tout nu, ce n'est pas un déguisement, c'est un délit. Je peux mettre un timer comme quoi genre on a une heure pour s'escape. En mode si on réussit pas, on réussit pas quoi. Ça nous met une petite pression, c'est pas mal. Ouais, ça nous met une petite pression, je trouve c'est lourd. Vas-y, vas-y, je te suis. Ah si, on est tous ensemble, ok, on est tous ensemble. Ouais, attends, mais. On glisse. La faute. Les gars, j'ai découvert une nouvelle pièce déjà. Oh, t'es chaud. Excusez, regarde là. Comment j'écris? Appuie sur le bouton. Quel bouton? Les gars, si vous voyez des clés, dites-moi. Ok, les gars, on a une disquette. Si jamais il faut mettre une disquette quelque part, on a. Il y a le drapeau de l'Europe et ensuite il y a une sorte de. Tu vois ou pas? Ouais, je sais pas ce que ça signifie. Ah bah. Ça a ouvert un truc? Bah, regarde à gauche. Le tableau là? Il était ouais. Pas là? Okay. C'est le tableau périodique. Mais c'est vrai que ça ressemble à ce que tu regardes là. Ouais, mais je crois pas, je crois que c'est une fausse piste, mec. Attends, est-ce que c'est EU et FR vu qu'il y a deux traits en dessous? FR 87, ok, j'ai trouvé. Donc ça c'est la deuxième partie, c'est 87. Et EU, Europe, EU. Est-ce qu'il y a un EU quelque part, 100%? Ok, 63, donc le code c'est 63 87. Vas-y, 63 87. Et voilà, ok. T'es trop chaud. Non, wesh. Ok, drapeau et une clé, ça c'est résolu. Non mais même là, c'est toi qui est à côté de moi. Le labyrinthe là, tu comprends quoi sur la feuille? Ah, ouf. Ramène le labyrinthe, ah, là, pose-le, je l'ai, no joke, je l'ai. C'est quoi ici? Il faut faire quoi? Il y a un truc à déchiffrer avec des animaux? C'est par ordre d'arrivée, attends, 2, 3, 4. Oui, mais attends, sur le livre, il y a écrit début et fin. Cochon en premier, ok. Cochon, puis vache. Ensuite, c'est vache, puis mouton, puis lion, ouais. Cochon, vache, mouton, lion. Cochon, vache, mouton, lion. Voilà, c'est ça, vas-y, go. Appuie. Il y a rien à appuyer, les gars, c'est pas ça. Bah, on s'est trompé, on est débile à ce point. Vous avez fait cochon, vache, mouton, lion? Cochon, vache, mouton, lion. Attends, lion, mouton. Vache, cochon. Ah ouais. C'est non, mais c'est pas ça. Normalement, ah, c'est lion. Ok, c'est de droite à gauche. Lion, mouton. J'ai une clé. Il y a le drapeau du Japon. La clé, elle, elle est là, je crois. Et la clé, elle va où? J'arrive. Les clés. Ah non, elle est là, non? Ouais, c'est bon, je l'ai. C'est bien, on est bien organisé là. Il y a des gens qui sont chauds en sudoku. Ouais, c'est son délire. De fou. Viens sur moi, Doag, il y a un truc de sudoku. Quand vous cliquez dessus, à droite, sur la page droite, les gars. Ah, mais c'est là, ok. T'as vu? Et en gros, le carré noir qui est dans le sudoku, c'est forcément le 2. Comment avoir les 3 autres? C'est ça que je me demandais. Bah, les signes jap, j'en ai vu dans l'escalier à l'instant, donc logiquement, ah, bah voilà. Regarde, viens voir. Si tu regardes sur le mur, il y a des lettres jap, et ce que c'est? Tu vois, regarde, je crois que c'est 8.
Non, c'est pas ça. Il est plus compliqué. Il est plus compliqué, c'est un autre signe. C'est 9, c'est 9. Le triangle rouge, vous l'avez trouvé ou pas? Non, on n'arrive pas à comprendre. Mais il est là. Ah oui, putain! Ah, GG. Oh, on est aveugle de fou. Donc c'est 8 ou 3 le truc rouge. C'est 8 ou 3. Et il faut trouver l'autre caractère jam. L'autre, je crois que c'est 4 ou 5 si je me rappelle bien. 2. Je crois que c'est 4 ou 5. 4, 9. Mais de toute façon, non, le dernier, on s'en bat les couilles. On va tous les essayer. C'est 9-4. 9-4. C'est 2, 9. Donc je vais tenter 2, 3, 9, 4. 2, 8. 2, 3, vas-y, 2, 3, 9, 4, moi. Oui! GG! Comment t'as dit Un téléphone, une clé, c'était 2, 3, 9, 4. Hop là, j'ai les 4. Il faut le dernier clé. Et du coup, le téléphone, c'est pour le dernier truc. Bien joué, les gars. Il manque une clé. Là, Là, il y avait une disquette avec les téléphones, donc ça doit être vers ici, les gars. Je pense que c'est en haut le dernier truc. C'est sûr que c'est en haut. C'était 61, je sais plus quoi. Je comprends pas, les gars. Je suis trop bête. T'appuies 3 fois sur le 6 sur le téléphone Nokia. T'as le O, ensuite 2 fois 6, t'as le N. Donc ça fait O. Donc O, 33. E, donc E. 3 fois 33, F. E, F. J'arrive pas. Le premier mot, c'est one. Après le I, moi je te mets un V. Ensuite, je te mets un E. Je te mets un E. Un 5. Ensuite, je te mets un T, tout seul. Ok. Ensuite, je te mets un TX. Et ensuite, je te mets un O, TXO. Ah non, c'est tout, ça doit être W. Ok, possible. Taper 1, 5, 2. 1, 5, 2. 1, 5, 2, vas-y, et le dernier, c'est quoi? Et le dernier, moi, j'ai E. 8, 8, mais 8. E, I. 8. Non, oui, on m'appelle, y'a un mec qui m'appelle. Je t'appelle, réponds. Allô? Ouais, salut, Goodwag, c'est moi. T'es pas à la soirée de Squeezie? Bah si, t'es là toi aussi, non? Ouais, on fait un escape game là. Ouais, mais c'est pour te dire de descendre, descends. Tu vois, il y a le pays de l'Europe, donc tu vas à EU, il est en bas là, et EU, il y a un chiffre, tu vois, sur le tableau périodique. Et okay. France, t'as FR et c'est 87, et ça permettait d'ouvrir ce coffre là. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Oh, vas-y, ouvre ça. Vas-y, je la fais. Attendez, je vais faire. Dépêche, on est timé. Dépêche, chien, on est timé. Retourne-toi. Vas-y. Non, vas-y, il abuse. Vas-y, frère. Doig, on est timé. Ouais, oh, le ying et le yang. C'est là. Ouvre. Oh, et là, faut mettre les pays. Ok. Ah, celui qui est le plus au nord, c'est lequel? Non, c'est avec les couleurs. En gros, regarde, remonte le téléphone. C'est bon, ça s'est ouvert. J'ai l'ai. Si. Ah, mais c'est bon, on a gagné, voilà, non? Et en gros, tu vois là. S'il y a 3-6, t'appuies 3 fois sur la touche 6. Regarde la touche 6. Allumez la lumière. Ok, c'est bon, c'est ça. Ok, c'est bon. Là, il y a un bouton là. Je comprenais pas, Les gars, venez. Nouvelle pièce. Ok, les gars, chacun bosse, on réunit les objets, on sait, on est là pour une chose. On pensait que c'était terminé. On sait ce qu'on a à faire. Il y a des coffres de partout, hein. Ok, là, j'ai un livre avec écrit beaucoup de trucs. Des chiffres de fou. Oh. En bas, il y a une feuille avec un espèce de truc là. Dans l'eau aussi, alors, dans l'eau, on avait rien. Y a pas beaucoup d'éléments là dans la game. Ouais, c'est ça qui est difficile. Y'a rien. Là, y'a un code à mettre. Il faut une grande clé pour sortir de là. Putain, y'a pas beaucoup d'éléments. C'est là qu'il faut les mettre, les gars. Ramène la bleue. Ouais, mais c'est. Bah ouais. Faut le vent et le feu là. Ouais, c'est les éléments. Il en manque deux, ouais. Les gars, il va falloir trouver le code qu'il y a là pour en avoir une, je pense, les mecs. Le code qu'il y a ici là. Il est écrit left égale 64. Où? Right égale 12. Où? Dans le livre là. Ah, mais on l'a pas vu ça. Si, avec les dauphins. Dauphin et tout. Water égale 84. Bah voilà, là on a fire et water, c'est ça? Ouais. Bah 84-24 ou 24-84, vas-y, essayez. Ok. Ok, ouais, pourquoi pas. Combien? 84-24 ou bien 84-24. Non, mais ça je pense c'est pas pour maintenant, water et fire. C'est pas bon. C'est mort. 24? 11 égale 11. Bah bien vu. Les gars, là où je suis, je spam cliquer et j'ai trouvé un truc, mais comme je spam cliquer. Ah, c'est passé, là. Là où je suis. Ah ouais. Artist Unknown Spot de Différence 2020. Ah oui. Pixels on Canvas, a digital reproduction of famous painting. C'est le jeu des 7 différences. Y'a pas de bateau sur la. Ouais, à droite. Ok. Là, le bateau, une. Ouais. La montagne, elle coule pas à droite. Alors que à gauche, ça fait deux. Y'a plus rien là. Mais est-ce que y'a pas que deux trucs? Parce qu'en fait c'est deux mots. Regardez l'autre dessin, il y a deux fois le même dessin aussi. C'était quoi, botte et quoi? Bateau et nuage et neige. 66 et quoi? Et neige, c'était la neige. Je pense pas que ce soit de la neige, hein. C'est de l'eau alors. De la montagne. Water. Exactement. 66, 84, 84, 66, c'était ça. Et là c'est flower, ouais.
Là, c'est, et Flower, c'est... j'ai un 26. 66, mais... combien 66, 84, 84, 66. Mais non, c'est Flower à droite et là-bas c'est le bateau, les gars, c'est tout. Et bah alors, beauté, c'est Flower, bon, c'est 66, bon. 26, 66, 26, 66, 26, 26, 26 ou 26, 66. Exactement, les gars. Exactement. Testez ça. Oui, voilà. Oui, oui, oui. Là on a le feu, oui, on a le feu. USB. Là j'ai le feu là. J'ai pris la clé USB. Là le feu c'est ça. Mais ça sert à rien, on a plus d'enjeux. On dirait. Mais dans le livre il y a encore des mots, hein. C'est ça que je me dis. Moi. On dirait des flèches limite genre. Non, je pense que le mot c'est pourtant dur en erreur. C'est comme le tableau là-bas, là. Il y a toutes les formules et pourtant on n'a pas besoin de tous. Ouais. Je pense. Je sais pas. Que, tiens, si tu veux l'avoir, Doc, tiens. Alors, dolphin, flower, water, left, mine, fire. Fire, il y a des espèces de trucs de feu. Regardez là, il y a des espèces de flammes partout. Je comprends pas. Mais vas-y, je pense pas que ce soit ça. C'est pas assez solide. Mais je pense pas que ça soit encore le livre, wesh. Est-ce que faut pas compter les lampes, les gars? Pour moi, si on genre là, il y en a 0. Dans le truc 2, il y en a une qui est là. Dans le truc 3, il y en a 0. Et dans le truc 4, il y en a 3, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Les gars, c'est sûr que c'est ce schéma. Il nous reste que ça. Je vous le dis, on comprend pas. Là, c'est l'escalier. Hein? Qu'est-ce que tu vois, il te donne des zones avec des chiffres et ensuite il te met trois carrés noirs et un grand rectangle noir, tu vois. Le 3. Putain, ça m'en fout. Mais les gars. Quoi? Regardez, ouais. dans le tu sais, dans le pilier là, il y a une espèce de flamme qu'il y a partout aussi. La bougie, quoi. Ouais, la mais attendez, les gars, on est trop cons, les gars. J'ai trouvé. On est des fils de pute, mec, c'est un délire. Je te permets pas quand même. En tout cas, moi je suis un énorme, je vous le dis direct. Pourquoi, les gars, ça c'est le lac qui est là et c'est le nombre de feuilles par zone de lac. C'est bon, allez, pour la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Va code. 6, 3. 3, 2 et 9. 6-3-2-9. Let's oui go. La clé USB, vite, tenez. Attends, ils ont mis un truc avec deux chiffres en dessous. Ah, mais du coup, c'était juste le lac qui était représenté. Water, wind, fire, earth. Ah, du coup, attends, en haut à gauche, c'est l'eau. La terre en haut à droite. Non, c'est faux. Le feu, il est en haut à droite. Ok, c'est, ah oui, les lettres, elles sont pas dans le bon ordre. Le caractère du feu, c'est ça. J'ai reconnu dans Naruto. Earth, c'est ça. Le feu, il est en haut à droite, 100%. Toi, là, retiens la lettre du vent. Et moi, je retiens la lettre de l'eau. Et c'est gagné. Allez, okay. Go. Poussez-vous, les gars. Le vent, c'est à droite. Le vent, c'est en bas à droite. Vas-y, ouais. Voilà, là, tu le mets, c'est fini. GG. Oh là là, mais c'est. Oh là 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 là, les gars. Sauter. Oh là là, on est trop fort. On est trop fort. Ok, il y a pas de peut-être. Fallait bloquer. Ah si si, faut sauter. Ah ouais, moi j'ai pas sauté. Moi j'ai. Il y a une clé là. Il y a une clé. Prends la clé. J'ai. Vite, faut sortir, les gars. Les gars. J'ouvre. Quoi? Quoi? On est. Non, t'as la clé, mets-la dans la porte. Elle est là, la porte. Mets-la dans la porte. Quoi, wesh? On a pas compris, j'ai peur. Let's go. C'est pas fini, les gars. Oh non. On s'arrête. Eh les gars, je pense qu'il nous restait genre quasi rien, les mecs. On était à combien de temps? 42 minutes. On était large. Tout le monde a participé, tout le monde a été utile. C'était merveilleux, les gars. Toi que t'as été chaud sur le sudoku. Fallait, hein.